dans ma vie, que je n'ai pas reçu par imposition de main, que je suis sorti du sein de ma mère avec lui, qui m'a pris à le connaître, m'envoyait dire que le ministère du combat spirituel n'est pas un gâteau à dépoper et à partager. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais malheur à moi si je ne me tiens pas ici et je ne lis pas ce message. Il m'a dit que la vision qu'il a donné à sa servante Elisabeth Olangi et à son serviteur Joseph Olangi. Et la vision de sa servante. Le ministère du combat était une vision intouchable. Et intouchable. Il m'envoie te dire que lui, l'éternel qui a donné la vision à Elisabeth Olangi, la vision l'appartient. Il a l'œil dans cette vision. Il ne veut pas que cette vision soit découpée et partagée comme un gâteau. C'est ce qu'il m'envoie te dire. Ainsi parle l'éternel des armées. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que celui qui a des oreilles pour entendre entend ce que l'Esprit lui dise aujourd'hui. S'il vous plaît, n'osez pas. Si quelqu'un médite cela, moi j'étais là, j'étais parti et je suis revenu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas pourquoi il m'envoie dire ces choses. Je le dis parce qu'il m'a envoyé. Pardonne-moi, ne m'en veux pas. Je suis là pour transmettre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit, la pensée de l'Esprit à ses enfants. C'est tout ce que je sais. Merci Adonai. Si il y a eu quelque chose à essayer de casser le ministère. Toi qui vas t'hasarder à être dedans. C'est toi qui souffriras. C'est toi qui souffriras. C'est toi qui souffriras.